C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Oui, de la cale à prod, mon pote. C'est pas la chute qui compte, c'est l'atterrissage. Pas le désert ni les mirages, seul compte le virage. Que l'on prend ou non dans l'espoir de défier la société. Quand celle-ci ne fait que réprimer, humilier, je suis peut-être né à la campouche, mais je vis en HLM. Et je vois bien ce qui déclenche la haine. Voilà ce qui arrive quand on marginalise les gens. En les stigmatisant pour un concept fascisant. Je vois bien comment marchent les business, mais dans la jeunesse, la détresse. Je ne crois plus au changement par le bas, faudra aller aux urnes pour tuer le roi. Même s'il y a des chances que rien ne se passe, hormis la réélection de la même classe, celle des financiers, des bourgeois, méprisant le prolétariat et leurs droits. À quand l'ère des libertaires après celle des spéculaires, à quand l'ère des libertaires après celle des sécuritaires, à quand l'ère des libertaires après celle des financières. On est tous un peu cinglés, tous un peu paumés. On est tous des enfants abandonnés par la société. On est tous un peu perdus, tous un peu foutus. Il ne nous reste plus rien à part la rue. Dans cette société de vendus et de putes, il ne nous reste que nos luttes et nos tumultes. En attendant la chute, en attendant la chute, en attendant la chute, en attendant la chute. La chute. La chute est en cours, système en effondrement. Que va devenir tous ces enfants? Ils finiront par s'entretuer pour avoir de quoi bouffer. Ils finiront par se tourner vers les pires dangerosités. Ça a déjà commencé avec les gourous confusionnistes jouant avec leurs esprits comme des marionnettistes. Qui pourra les empêcher de nuire à ces fascistes, réactionnaires, racistes, sexistes, complotistes? Qui pourra leur dire que leurs croyances les mènent à l'ignorance et à l'errance? Que seule la science et la philosophie, comme la culture et la poésie, sont les armes qui feront triompher l'idéal d'émancipation internationale que nous visons au travers de la révolution alternative et anarchiste. Pour une nouvelle évolution, un nouvel ordre mondial sans élite, sans extrême, où l'on préférera les roses aux chrysanthèmes, où vivra la bohème plutôt que la haine, au gré des poèmes, au gré des poèmes. On est tous un peu cinglés, tous un peu paumés. On est tous des enfants abandonnés par la société. On est tous un peu perdus, tous un peu foutus. Il ne nous reste plus rien à part la rue. Dans cette société de vendus et de putes, il ne nous reste que nos luttes et nos tumultes. En attendant la chute, en attendant la chute, en attendant la chute, en attendant la chute. On est tous un peu cinglés, tous un peu paumés. On est tous des enfants abandonnés par la société. On est tous un peu perdus, tous un peu foutus. Il ne nous reste plus rien à part la rue. Dans cette société de vendus et de putes, il ne nous reste que nos luttes et nos tumultes. En attendant la chute, en attendant la chute, en attendant la chute, en attendant la chute.